Saviez-vous que le site bougex.com se refait une beauté? Eh bien, nous sommes présentement chez Vertex Solutions, l'équipe qui s'occupe de développer ce site Internet qui compte déjà 55 000 abonnés. Donc, Alex, pour les gens qui ne connaissent pas Bougex, j'aimerais que tu nous expliques un peu le concept. Ben, Bougex existe déjà depuis un peu plus de 13 ans. On a commencé à l'époque par organiser des activités. On a organisé plus de 500 activités par année. En 2009, on a changé de modèle. On est devenu vraiment un réseau social où les gens se retrouvaient entre eux pour pratiquer des activités de sport. Donc, c'est ce que l'on était jusqu'à maintenant. En ce moment, chez Bougex, il y a plein de gros changements. Oui, effectivement, il y a plein de changements qui s'en viennent. On est en train de transformer Bougex pour devenir la plateforme incontournable dans le domaine du sport et du loisir, pour que les gens puissent trouver toutes les informations pertinentes à l'organisation de leur fin de semaine sans avoir à perdre un temps monstre à aller sur toutes sortes de sites comme Facebook, Google ou les sites touristiques pour trouver de l'information pour l'organisation de leur fin de semaine. Donc, les membres vont pouvoir se faire des univers par sport, par loisir. Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Dès l'entrée sur le site, en fait, le membre est invité tout de suite à se créer, dans le fond, à dire quel sport et loisir qui est intéressé, à se créer son univers selon justement la localisation où qu'il est. Puis en fait, seuls les membres peuvent justement sauvegarder leur univers dans leur compte. Puis à partir de cet univers-là, dans le fond, ils vont avoir des événements qui vont leur être proposés, des destinations. Ils vont pouvoir voir les annonces qui sont disponibles, dans le fond, mis par les autres membres. Fait que ça va être assez complet, puis ça tourne tout alentour des univers, en fait. Donc, des univers personnalisés, ça doit être assez complexe à réaliser. Il y a une grosse équipe qui a déployé ses efforts. C'est un projet de quelle ampleur, un site comme Bougex? Ben, en fait, c'est sûr qu'il faut répondre, dans le fond, aux besoins de plus de 55 000 membres. Fait qu'il faut tenir compte, justement, de cet aspect-là. C'est environ 3 000 heures, dans le fond, juste en développement. Fait qu'ici, on parle, dans le fond, de la conception UX qui a été débutée dès le départ. C'est quoi qui est le fun? C'est qu'Alex est vraiment beaucoup impliqué dans le projet. Fait que les idées coulent très bien. Dans le dernier mois, tu as travaillé sur la conception, le développement. C'était quoi les plus gros défis? Beaucoup dans le développement, il fallait beaucoup penser parce que dans le fond, tout est basé sur des univers qu'un membre crée, puis il faut tout mettre en place pour qu'il y ait une interrelation entre les amis, les membres, les événements, les activités, destinations. Puis c'est de tout faire en sorte que le site il reste performant. Et pourquoi c'est important que ça soit mobile-friendly, dans le fond? Ben, l'importance que ce soit mobile-friendly, c'est vraiment que dans une génération où les gens sont pas nécessairement toujours devant l'ordinateur. Fait qu'on a voulu vraiment créer un concept qui était un site qui bouge pour les gens qui bougent. Le futur est clair pour Bougex. Il y a vraiment une grande vision à Bougex. Fait qu'il faut s'assurer que les bases sont bien faites pour justement pouvoir suivre leur expansion qu'ils veulent prendre. Pour être au courant de tout ce qui se passe chez Bougex, eh bien rendez-vous sur le site internet bougex.com et le grand lancement aura lieu au printemps 2017 et c'est certain que montréal.tv y sera.